suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier jour des Vlogmas. Oui, je vais pouvoir l'apprendre avec moi. Le passo avance, je suis contente. Je viens de filmer des plans pour la vidéo. C'est trop joli. Bon, on est parti pour aller à la gare. C'est pas terrible. C'est pas ouf. Il nous reste juste un plan de vidéo à faire. Et après, on aura fini la journée, les gars. On va se faire un zoom pour pouvoir faire le point, pour pouvoir discuter de tout ça. Et là, ça fait 10 minutes qu'on est assis là, par terre, à attendre nos valises. Bref, donc il y a quand même une grosse liste de cadeaux à faire. Hello! J'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 2. Ça va aller très très vite. Regardez la vue incroyable qu'on a aujourd'hui pour ces Vlogmas. Il a neigé toute la nuit et il neige encore actuellement. C'est extrêmement mignon. Absolument fan. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur là avec son truc hein? Je sais pas s'il rajoute de la neige ou s'il l'enlève. Mais qu'est-ce que vous faites? Évidemment, ça commence par le buffet. C'est le même qu'hier mais pour le petit-déj. Je suis Henri comme si c'était mon nom. Henri, je te suis, je sais pas ce que j'ai envie de manger. Prends quoi? Des œufs. Du lard, des œufs. Un bon petit déj allemand, les gars. Ce truc m'intrigue à fond. C'est genre un distributeur de beurre, j'ai jamais vu ça. Ça n'a aucun sens. Oui, j'avoue. Les rushties, ça c'est vraiment trop bon. Les tisses, le croissant. Et évidemment, le café. Toi, t'as pris quoi? Encore une assiette Encore une assiette Il a pris deux concombres. Genre, ça n'a aucun sens. Dans cette assiette, il y a du beurre et une tranche d'emmental. Genre, ça n'a pas de sens. Voilà. Totalement prêt à affronter le froid polaire de cette journée. Regardez. Ça fait quelques jours que je prends la veste d'Henri. J'ai l'impression que toutes mes autres vestes sont nulles. Ah. I have a gift for you. Ah bon? C'est vrai ou pas? Non. Ah, je suis hyper déçue. Ah, la pluie. La pluie, non, la neige. Alors moi, je suis contente qu'il neige, mais par contre, les cheveux, je pense que ça va tenir deux secondes. Hein. Je vais quand même, par acquis de conscience, mettre un bonnet au bout d'un moment, parce que je crois... Ouais, j'ai laissé le bonnet dans le sac, parce que là, vraiment... Ah, bah écoute, en vrai, c'est bien. Ça... Regarde, nous, il neigeait hier. Aujourd'hui, il neige. Les deux premiers jours de décembre, il y a de la neige. À Lyon, il y en a pas? Là, à Bruxelles, moi je me dis, ça y est, si on recommence à avoir de la neige au mois de décembre, ce serait pas super sympa pour les stations, ouais. Je sais plus c'est quand la dernière fois que j'ai eu de la... Enfin, qu'on a eu de la neige à Noël. On vient de rentrer, regardez. Mais c'est juste ça, voilà, très mignon. Et paysage. Ah, regarde l'âne comme il est beau. Putain, j'ai vraiment eu peur, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Qui êtes-vous? Sous la neige, ça apporte un petit charme. Ah ouais, allemand LV2. Dem einen hat das Tischlein deck dich gestohlen. C'est vraiment mignon sous la neige et tout là. Ouais, c'est vraiment mignon. Franchement, après je me rappelle pas de grand chose. Hein. Je vous dis, la dernière fois que je suis venue, c'était il y a 8 ans, donc j'ai l'impression que ça a bien changé depuis, mais c'est quand même. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de la fausse. Ah, c'est de la fausse neige? Non. Il y a de la vraie, donc effectivement, ça ne sert à rien. On vient de faire Pirate of Batavia, c'était la première attraction. C'était très sympa, vraiment. Enfin, de toute façon, il neige, donc on avait juste envie de se poser au chaud. Il faisait très chaud à l'intérieur, donc c'était sympa. Et là, maintenant, le parc ouvre officiellement, parce qu'en fait, à 10h, il ouvre pour les gens de l'hôtel, à 11h pour tout le monde. Et là, on va faire quoi? Il faut déjà espérer que ça soit ouvert à cause de la météo. Ah oui. Mais j'aimerais bien faire Euromir avec vous. Ça va vite, ça? Ouais, ça va. Non, c'est plutôt pas mal. Yes! Je t'ai humilié, je crois. Oh, attends, moi je veux voir la photo. Henri, regarde! Regarde! Elle est excellente! Regarde! Il était en train d'essayer de m'empêcher de tirer sur le rouge! Elle est excellente! Quel connard, j'y crois pas, putain! La photo est incroyable. Je suis choquée! En tout
tout cas, il neige toujours. On n'a toujours pas fait d'attraction à sensation forte, mais c'est bien parce que comme ça, on peut faire toutes les autres attractions qui sont en intérieur. Bon, celle qu'on vient de faire, là, Flour d'air Alexandra. Franchement, ça donne un peu... on va par où? Ah, regardez, ça, c'est ouvert. Si vous avez des problèmes d'oreilles internes, ne le faites pas. J'aurais jamais dû le faire parce qu'au final, maintenant, j'ai envie de vomir. Un petit marché de Noël dans le parc, c'est trop mignon. J'avoue que c'est très très mignon. Ah, j'ai cru que c'était Jelly. Oui, j'ai cru que c'était un cochon. Jelly, elle a pris cher. Attends, je vais montrer. Henri, c'est presque Jelly. Entre. C'est un cochon. C'est un cochon. C'est trop mignon. Donc là, on est dans un restaurant qui s'appelle Food Loop. Et en fait, l'idée, c'est très simple, c'est que vous commandez sur une tablette ce que vous voulez manger. Et en fait, après, la nourriture, elle arrive devant toi en faisant un looping. Enfin, je vais vous montrer. Alors là, tu commandes sur la tablette et ça fait tout le tour du truc et ça débarque devant toi. Alors. C'est quoi? C'est les frites pour toi. Bien sûr, des frites, évidemment. Non, mais c'est trop drôle. Ah, vous avez envie de continuer? Ah, ça, c'est mes frites. Donc, il y a un petit burger vegan, ma foi, extrêmement bon. Avec des petites frites. Bon, à cause du froid, il y a plein d'attractions qui, pour l'instant, sont un peu fermées et en maintenance. Donc, du coup, on va faire un truc bien mignon. On va faire un petit spectacle, un petit pestacle de patinage. Mes cheveux font n'importe quoi parce que j'ai un bonnet depuis ce matin. On va pas du tout. On vient de faire du coup tout Europa Park. Le seul problème, c'est qu'à cause de la météo, parce qu'il faisait trop froid, on n'a pas pu faire ni le Silver Star ni le Blue Fire, donc les deux attractions que j'avais super envie de refaire. Donc malheureusement, je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est les timings qui font que bah, des fois c'est comme ça. Donc sachez-le, si vous venez à Europa Park et qu'il fait trop froid, bah, il y a de fortes chances que vous puissiez pas faire ces attractions là, parce qu'en fait, c'est des questions de sécurité. Donc voilà. Mais là, on va faire une attraction en VR qui s'appelle You'll Be et ça ressemble à ça. Let's go! Eh bé, c'était pas de trop de mettre les trucs en dessous, il fait super froid les gars. Est-ce que tes abonnés veulent me voir enlever mon bonnet? Non. Tes abonnés. On dirait le mec dans les Simpsons, tu sais, avec un premier oui, sur la c'est lui qui veut tuer Bart. Ah ouais, ouais, non, là on est vraiment. On est coiffé. Enfin, ça sert à rien de se coiffer. Ah non, là c'est. Là c'est. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un gros truc. Trouve-moi un nom et un métier. On dirait les gars de TikTok un peu. Trouve-moi un nom et un métier. Edouard. Edouard, et qu'est-ce que je fais dans la vie? T'es. Un peu barman. Ah non, tu pourrais être coiffeur, barbeur, non, barbeur, barbeur. 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 Je suis pas du tout Edouard Barbeur. Edouard Barbeur. Je m'appelle Étienne et je suis paléontologue. Étienne paléontologue. Il manque les lunettes. Il manque les lunettes. Hop, ding. Attends, et moi j'ai scotché ma main. Très à l'aise, très très à l'aise. Allez, putain, les gars, là ça commence. Ouais, bah là on va pas faire des looping non plus. Hein. Je vais vomir. Oh putain, non. Ok, ouais. Ah non, 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 non. Ouais, c'est haut. Hein. Non, je peux pas. Oh putain, c'est beaucoup trop haut. Avec ta petite main scotchée. J'ai très peur. J'ai grave le vertige, moi, les gars. Oh, je vais hurler. Oh, je vais hurler. Oh non.
qu'on va faire. Ah, ça j'adore sur l'hiver. Ça. Moi je vais mettre mon écharpe devant mes dents parce que j'ai froid. Allez, hein. Allez. Regardez-les, ces deux gosses là. Allez Henri, fais quelque chose. Mais regarde là, t'es tout fait là. Regardez-le. Je viens de rentrer à l'hôtel, je suis fracassée, c'était vraiment une très très bonne journée. Je suis un petit peu dégoûtée pour les attractions qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais bon, c'était quand même très très cool. Comme vous l'avez vu, là on a fait une activité, enfin une activité qui s'appelle You'll Be, c'est genre de la VR, et franchement c'était hyper sympa. Moi qui aime pas trop ça d'habitude, là j'ai vraiment bien kiffé, je vais vous montrer quelques petites images. Mettez votre main entweder in das Hologramm für Team Emily oder in das für Team Cheng. Bitte zu mir, die anderen Team Emily geht rüber zu ihr. Bref, c'était très cool, il y avait plusieurs aventures et franchement on a bien kiffé. On a mangé, là il est 23h, on vient à peine de rentrer à l'hôtel. Donc, cette année pour les Vlogmas, j'ai quand même décidé de vous proposer des concours mais de manière un petit peu différente. Au lieu de vous proposer un petit concours tous les jours, je vous propose un énorme concours toutes les semaines. Cette semaine, je vous propose un concours de dingue pour gagner un lot teddy bear d'une valeur de 6 000 euros, qui comprend des produits pour la chambre mais également un salon complet. Bref, il y a plein de visuels qui apparaissent à l'écran. Vous avez sommier, matelas, oreiller, couette, bref la totale. Linge de lit, canapé lit, tout ce qu'on a chez nous en tout cas. Vous connaissez Teddy Bear, c'est une marque française qui fait essentiellement de la literie, mais aussi donc des canapés lits. Ils ont collaboré avec nous plusieurs fois, on a un canapé lit à la maison et également un matelas que je vous montre très bientôt. Pour participer au concours, c'est très facile, vous devez être abonné à ma chaîne YouTube, liker ce vlog et remplir le Google Doc qui se trouve en barre d'infos. Et pour toutes les autres personnes qui ne vont pas probablement gagner ce lot, il y a aussi une opération très cool avec Teddy Bear puisque j'ai un code cadeau pour vous. C'est le code ENJOY15 qui vous offre moins 15% sur tout le site de Teddy Bear, voilà, tout simplement. Valable du 3 au 17 décembre, je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc évidemment, profitez-en. Pour participer au concours, vous avez déjà toutes les infos et je vous les répertorie encore une fois en barre d'infos si vous les avez déjà oublié. Il est temps de vous trouver un petit mot. Écoutez, si vous avez regardé ce vlogmas jusqu'au bout, vous pouvez commenter le mot flocon puisqu'il a neigé absolument toute la journée au parc. Je vous embrasse, n'oubliez pas d'aller voir le dernier vlogmas qui se trouve juste ici et je vous dis à demain pour la suite. Gros bisous.